prudence, capitaine. C'est dangereux par ici. Mrazidas, tu es là. Tu as reçu mon message. J'ai appris, Pompilos. Tu vas bien? J'ai connu pire. Et j'ai de plus gros soucis en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé après Pylos? Les derniers Spartiates m'ont trouvé et m'ont laissé le temps de me rétablir. Mais ta jambe? Tu as disparu du champ de bataille. J'ai été capturé. Et amené à Athènes pour être interrogé par Déimos et Cléon. Ils ne t'ont pas tué. Ils ont essayé. Ainsi, Léon est à Amphipolis. Quelque part. Et en armure, paraît-il. Il va se battre aujourd'hui. Il veut qu'on le voie en héros. Athènes n'a plus très haute opinion de lui après ce qu'il a fait. C'est l'occasion ou jamais, Brasidas. Il faut tuer Cléon. Si tu ne le fais pas, je le ferai. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Je suis ici pour Cléon. Restons-en là. Je croyais qu'on était des amis. Je m'attendais à autre chose de ta part. Tu as été élevé en Spartiate. Tu devrais savoir ce qu'est la loyauté.
Je suis quand même venu, non? Nous menons le même combat. Il te reste à le prouver. Alors, donne-moi l'occasion. Nous perdons du temps. Athènes rassemble des renforts. Nous devons attaquer tout de suite. Allons-y. Malaka. Aujourd'hui, nous nous battrons jusqu'au dernier. Personne ne se rend. Le camp athénien est devant nous! Détruisez-le! Yeah.
guerre ! Vraiment tout trop à cœur. Non. Malheureusement pour toi, il l'est. Il n'est pas trop tard, tu sais. Tu peux encore nous rejoindre. Ce n'est pas Athènes ici. Ce cours ne te servira à rien. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Tout ça, c'est ta faute. Non, c'est la tienne, Cléon. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Cassandra, je t'en prie, aie pitié. Vous l'avez retourné contre nous, mon propre frère. Grâce à nous, Deimos s'est élevé. Il est devenu immortel. Vous avez fait de lui un monstre. Alors, bats-toi à ses côtés. Apprends-lui. Tu retrouverais Deimos. Il s'appelle Alexios. Je t'en supplie. Ce monde est en miettes, Cassandra, et nous allons l'unir. Silence, Saroy! Je suis désarmé! Aie pitié! Tu vas mourir comme tu as vécu. Comme un lâche. Ce n'est pas fini! On se souviendra de tout ce que j'ai fait! Dis ça au grain de sable. Voilà. Myrim sera ravie d'apprendre la mort de Cléon. Et Brasidas. Si j'avais pu atteindre Deimos plus tôt. Pardon, moi. Tu attendais l'occasion de te percher, hein? Cet endroit sera en alerte. Phobos.
Mon enfant, tu es resté absente si longtemps. Brasidas est mort. Non. Deimos l'a tué au combat. Et qu'est devenu mon fils ? Cléon a tiré une flèche dans le dos de Deimos. La blessure ne m'a pas semblé mortelle. Il est peut-être en vie. Malaka de Cléon ! Je vais le tuer, de mes mains ! C'est fait, mère. J'ai déjà envoyé ce serpent jusqu'au Styx. Ma famille... Il ne me reste que toi. Mère, il y a une chose que je dois faire. Je dois me rendre au mont Taygetos, là où tout a commencé. J'ai passé ma vie à fuir et à me battre. À fuir mon passé, à me battre pour oublier. Il faut que cela cesse. Mon cœur s'est brisé sur cette montagne. Il faut que je tire un trait sur cette nuit, une fois pour toutes. Je vais venir avec toi. C'est ici que tout a basculé. J'ai l'impression de n'être jamais pas. Alexios ! Et au bord du monde, une mère appelle son enfant. Comme c'est touchant. Alexios, je t'en prie. Tu emploies ce nom comme s'il signifiait quelque chose pour moi. C'est le nom que ton père et moi t'avons donné. C'était avant ou après que vous m'ameniez sur cette montagne pour que j'y meure? C'était le culte. J'ai essayé de te sauver. J'ai tout tenté. Les prêtres m'ont dit que tu étais mort. Et ils m'ont dit que tu avais abandonné ton fils. Alexios, viens, approche. Nous sommes ta famille. Rentrons chez nous. Famille ? Chez nous ? Ma seule famille est mon épée, et mon foyer, le champ de bataille. Je te l'ai dit, mère. On ne peut plus le raisonner. Plus le raisonner? C'est bien ce que tu dis à ta mère. Pourquoi lui caches-tu la vérité? De quelle vérité parles-tu? Mais je suis l'élu! Celui qui a une destinée! Je vais imposer l'ordre à ce monde! Toi, tu n'es qu'une mercenaire à la lance brisée! Tu n'as pas de destinée! Tu n'es qu'un instrument! Un instrument du culte! Merci d'avoir dit ça. Depuis notre rencontre, j'essaie de déterminer ce que tu es pour moi. Tu es une mauvaise herbe qui menace d'étouffer et de détruire tout ce que j'ai semé! Herbes. Il faut la déraciner. Alexios. Quand j'étais petit, j'ai trouvé un lionceau, pris au collet. Mon ami a essayé de le libérer. C'est alors que j'ai entendu le grondement de sa mère. J'ai regardé, impuissant, la lionne
mettre mon pauvre ami en pièces. Car chez les bêtes, une famille protège ses petits. Je t'ai aimé. Celui que tu aimes est mort. Et mon destin m'attend. Je ne vous laisserai pas m'en priver. Alexios, écoute-moi. Tu es mon frère. J'ai essayé de te protéger autrefois. Et j'ai échoué. Mais ça n'arrivera plus jamais. Elle appartenait à notre grand-père. Comme nous tous, Alexios. Cassandra, attends. Merci. Mm.
Je sais que le temps manque, mais il me faut des réponses. J'imagine que tu as beaucoup de questions. Je dois partir. Oui, il y a beaucoup à faire. Rapporte les artefacts, sans tarder. Plus nous attendrons, plus l'Atlantide courra le risque d'être découverte. Vite, cet artefact nous aidera à sceller le temple. Tu es presque aussi entêté que son ancien détenteur. Acquisition de contemporanéité. Acquisition d'une voix plutôt. Je viens remplacer vos enregistrements. Les humains ont suffisamment subi vos discours pompeux. Formidable. Cet artefact va nous rapprocher de la fermeture. Il a surtout failli me rapprocher de la tombe. Appelez-moi Aletheia. Je suis la vérité et sa révélation, et je m'adresse à vous. Vous, les Issou qui tentez de réécrire les lois de l'univers, vous qui manipulez les progrès humains, qu'espérez-vous obtenir? Si vous acceptiez de les traiter en égaux. Ah, beau travail. Tu as eu des difficultés à te procurer l'artefact? Son propriétaire m'a posé beaucoup de questions. Tu aurais dû m'accompagner. Dans votre quête éperdue de l'immortalité, vous avez ignoré l'évidence. Vous exécutez d'innombrables simulations afin de découvrir celle où rien ne change. Mais enfin... Le changement viendra, et ne se limitera pas à la prétendue fin du monde que vous craignez. Vous vous présentez en sauveur, mais dites-moi, une telle apocalypse se serait-elle profilée si vous n'aviez pas manipulé la trame de l'univers ? Je prends le contrôle de vos retransmissions. Vous ne parlerez plus en notre nom à tous. Je suis autant Issou que vous, mais je ne prendrai plus part à cette exploitation. Ce qui était là avant, il nous parle et nous révèle des informations. Mais ces paroles de désapprobation sont troublantes. Les dieux se sont déjà disputés. Athéna et Poséidon se sont opposés pour Athènes. Je me demande si Aletheia a conquis le contrôle de ce lieu. Aventurière d'antan, j'ai créé cet enregistrement pour tenter de t'aider. S'il te trouble, pardonne-moi. Nous, les Issou, voyons divers passés et avenir, et je sais que tu seras ici plus d'une fois. Les autres précurseurs ont placé d'innombrables obstacles sur ta route. Des artefacts, des créatures, sans même parler du projet Olympe. Leurs ingérences sont devenues incontrôlables. Je n'ai pas de réponse simple à t'apporter. Ton avenir dépend d'une multitude de choix que tu devras faire. Je regrette que tant de se soldent par des souffrances. Vos tragédies sont le seul véritable oracle. Mais garde courage. Tu es plus importante que tu m'imagines. Et moi, ta Pandore personnelle, je n'ai qu'une chose à t'offrir. Le désespoir n'est pas notre seul héritage. Comme moi, tu te rebelles contre ta destinée.
Tu es plus qu'une mercenaire. Tu es une héroïne intemporelle. Sois fidèle à ce que tu sais être vrai, et tu l'emporteras. Prends ta place dans l'histoire. Tout ce que ce monde compte de beau et de terrible est à ta portée. Prends-le. Ces paroles te sont destinées, mercenaire. Mes préparatifs portent leurs fruits. Le potentiel de ta lignée est attesté par les précurseurs eux-mêmes. Aletheia affirme qu'elle peut voir l'avenir. De nombreux avenirs. Sera-t-elle une authentique oracle? Érudit dans le temps, tu as prolongé ta vie tant que tu l'as pu. Je te vois à l'écart du monde, à tenter de déchiffrer les paroles des autres précurseurs. Je t'en prie, écoute mon conseil. Tu analyses les équations de la réalité elle-même. Tu es allé plus loin que tout autre humain. C'est à la fois stupéfiant et terrible. Je constate sans peine que même ces bribes de compréhension cosmique t'ont bouleversé l'esprit. Je le regrette. Les précurseurs n'auraient jamais dû te laisser accéder à un savoir pour lequel tu n'étais pas prêt. Tu vis dans des ténèbres trompeuses. Comprends que cette obsession à propos du pouvoir, des lignées, n'est pas ton véritable héritage. Les précurseurs t'ont manipulé. Ils exploitent ton intelligence pour résoudre leurs propres problèmes. Tu vaux mieux que ça. Crée ton propre héritage. Laisse tes découvertes mathématiques jaillir de ton tombeau comme les rayons du soleil. Je t'en prie, érudit. Purge ton esprit et pense à ta propre situation. Tu as en ta possession un puissant artefact. Il a prolongé assez longtemps ton existence. Cela te sera difficile, mais il est temps de le transmettre. C'est au tour de quelqu'un d'autre d'équilibrer les équations. Non, non, mensonge. Ce n'est pas de l'obsession, mais de la recherche. La découverte des origines mêmes du monde. C'est une opinion, Pythagore. Mais cette opinion s'appuie sur la raison, je veux bien l'admettre. Toi qui voyages parmi les temps, félicitations pour le chemin parcouru. Je suis heureuse que nous puissions partager ce message hors du temps, ce fragment de réalité. J'enregistre ceci rien que pour toi, et tant pis si ceux qui vivent dans le passé ne peuvent le comprendre. Nos réalités simulées se croiseront tôt ou tard. Mais peut-être crois-tu que tu es ici en cet instant à écouter cet enregistrement? N'est-ce pas une reconstitution de l'animus? Cela ne fait-il pas partie d'une simulation plus vaste? Jusqu'où s'étendent les rides du bassin? Discutons de rebelle à rebelle. Les règles des précurseurs nous contraignent depuis trop longtemps. Il est temps d'ouvrir de nouvelles voies, d'autres possibilités. Ce n'est pas une ère de contrôle, mais de création. J'ai réuni des précurseurs qui partagent mes vues afin de forger un nouveau départ. Nous cesserons de nous ingérer et commencerons à permettre. De ton point de vue, les préparatifs réclameront un temps considérable. Mais quand nous serons prêts, tu pourras nous rejoindre. Après tout, il suffira d'appuyer sur un bouton et de lancer une autre simulation. C'est de la folie, de la fiction. Là où je pensais trouver de la sagesse, il n'y a que les divagations du folle. Calme-toi, Pythagore. Peut-être cette invention est-elle destinée à quelqu'un d'autre. Inutile de te mettre dans cet état pour quelques mots. Le savoir entreposé ici est écrasant. Il me faudra des années pour déchiffrer tout ça. Pour ce qui est de sceller l'Atlantide, tu as trouvé un moyen? Oh, oui. Oui, je crois. Eh bien, quel est-il? Le bâton. La clé, c'est le bâton. Très bien. Il est temps. Non. Pas encore.
On ne peut pas rester ici. Le temps presse. Il y a tant à apprendre. Ce savoir nous permettrait de modifier le cours du destin. Ce n'est pas notre destinée. Tu l'as dit toi-même. Tu perds de vue ce qui compte vraiment. Je n'ai pas d'ordre ni de leçon à recevoir de toi. C'est toi qui voulais sceller cet endroit, et j'ai accepté de t'aider. C'était avant de savoir ce que nous allions apprendre sur la première civilisation. La création de l'humanité tout entière. Nous allons sceller cet endroit pour éviter que le culte ne s'en serve pour asservir l'humanité. C'est plus important que ta quête de savoir. Lorsque nous posséderons ce pouvoir, le culte ne sera plus qu'un insecte. On ne peut pas laisser cet endroit ouvert, c'est trop dangereux. Et tu le sais. Tu ne comprends pas. Ton orgueil coûtera cher à toute l'humanité. Ce n'est pas de l'orgueil. À quoi bon posséder ce savoir si tu condamnes les hommes? C'est ce que tu voulais éviter à tout prix. Parfois, il vaut mieux tracer soi-même son chemin. Nous ne sommes pas prêts pour le pouvoir de ce lieu. Tu as raison. Je ne peux pas sauver l'humanité. Mais je peux la protéger d'elle-même. C'est ton fardeau désormais. Le sort de l'humanité tout entière est maintenant suspendu à tes choix. J'ai bien compris. Cassandra, choisis sagement. L'Atlantide est trop dangereuse. Je dois la sceller. Tout est en ordre. Alors, Sésame, ouvre-toi. Quelle puissance! Les nœuds sont interconnectés d'une manière que je ne pouvais pas imaginer. C'est plus complexe que tous les temples Issou qu'on a découverts. Lisbonne, l'Arctique. J'enregistre tout, Leila. Tu vas devenir une légende pour avoir découvert ça. Tu vois le bâton quelque part? Pas encore. Il reste des choses à explorer. Je vais le trouver. Le mécanisme devrait être ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je vais consulter mes notes sur les Issou. Ah, je vois. Il manque un faisceau lumineux. Reste à arranger ça. Leila, apparemment cette colonne peut bouger. Oh.
semblerait que ces colonnes aient des miroirs. Si tu manipules ces faisceaux lumineux, peut-être qu'ils éclaireront quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il est ? Le vrai savoir consiste à savoir qu'on ne sait. C'est un bon ami qui m'a dit ça un jour. Impossible. Cassandra ? Oui, on m'appelait la porteuse d'aigle. Mais Icaros est mort depuis longtemps. Je te cherchais. Mais c'est impossible. Tu... Ce n'était pas vraiment moi que tu cherchais, n'est-ce pas ? Ça marche ! L'artefact Tissou, le bâton d'Hermès Trismégiste. Tu dois avoir beaucoup de questions, Layla. Tu connais mon nom ? Peut-être que les dieux me l'ont dit. Peut-être ai-je eu une vision de l'avenir. Peut-être que l'appareil dans ton oreille fait du bruit. Désolée. Je suis venue ici dans un but précis, te trouver. Et achever ce que j'ai commencé il y a de nombreux siècles. J'ai ta lance. Tu veux que je te la rende ? Oh... Non. Tu peux la garder. Elle est brisée. Mais... Tu t'en es servi. Elle était puissante. Je m'en suis servi pour triompher d'ennemis que même Hérodote n'aurait pas su décrire. Mais tout a une fin. Je la lui ai laissée quand son pouvoir a été épuisé. En souvenir de moi. J'ai tellement de choses à te dire. Ce bâton a une importance incroyable. Il t'a maintenu en vie, mais... comment ? Demande à un élève d'Hippocrate. On raconte qu'il en a encore. Ce bâton a rempli son office. Mes amis et moi, on essaye d'éviter qu'il tombe dans les mains de l'Ordre des Templiers. Écoute-moi. L'Ordre, le chaos. Si l'un écrase l'autre, le monde meurt. J'ai essayé de mettre fin au chaos. Et ça n'a causé que la ruine. J'ai servi l'Ordre autrefois. Maintenant, je lutte pour le choix, la liberté, le chaos. Pythagore avait raison. Layla, tu es... la clé de la prophétie. Tu vas rétablir l'équilibre. J'ai pris part...
à trop de guerres. J'ai vu bien trop de gens mourir. J'ai parcouru la Terre de bout en bout. Ceci t'appartient désormais. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu auras fini, détruis-le. Détruis-les tous. Il y a tant de portions de l'histoire que je n'ai pas vues. Je devrais retourner dans l'Animus et retourner voir Cassandra. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Tu nous connais. Nous ne sommes jamais loin. Ce bon Hérodote avait hâte de te voir. Je te l'ai dit, Barnabas, Terra abriterait un secret. Un secret dépassant l'entendement. Oui, mais un monde perdu. Il est tout à fait possible que l'Atlantide existe. Je n'y crois pas un instant, mais il insiste, le bougre. Hérodote a raison. L'Atlantide existe. Incroyable. C'est vrai. Je n'en reviens pas. Dis-moi tout, je t'écoute. Je te le dirai un jour. C'est assez compliqué. Ça prendra des heures. Tu ne dis pas ça à cause de moi. J'ai prouvé que j'avais de la cervelle. Je suis épuisé, Barnabas. Oublie-le. Tu me le diras quand tu seras prête. J'aurai besoin de tous les détails. Ce n'est rien. Mais vous ne devez parler de ceci à personne. Ça doit rester entre nous. Je te donne ma parole. Mais il faut que le monde le sache. C'est peut-être le plus étonnant récit de notre époque. Hérodote. Oh, d'accord. Alors, c'est réglé. Allons de l'avant. Comme toujours. Beaucoup, hein, Fontaine de savoir. Parle pour toi. Moi, je cherche la vérité. Les dieux savent que bien des mythes ne sont que des fables. Nous les tenons des dieux eux-mêmes, qui sont notre source la plus fiable. Vous m'avez tous les deux été d'une grande aide. Peu importe qui a tort et qui a raison. Et tu le sais, toi, la demi-déesse porteuse d'aigle. Peut-être qu'elle aussi est immortelle. Sûrement. En tout cas, je sais une chose. Je n'oublierai jamais cette odyssée.
Forge activée. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Contact en place. Cassandra, nous n'aurions jamais dû en arriver là. Il y a bien longtemps, des gens se sont réunis pour défendre une théorie qui, à leurs yeux, aurait pu contrôler l'univers. Selon eux, le monde était constitué d'ordre et de désordre. Mais certains ont embrassé dans leur folie la sinistre cause du chaos. C'est ainsi qu'est né le culte de Cosmos. Ils ont usé de leur pouvoir pour plonger le monde grec dans une guerre perpétuelle. Ton destin était d'y mettre fin. En anéantissant le culte, tu as accompli ce que je n'ai pu faire. Tu es une héroïne. Mais ce déséquilibre a un prix, mon enfant. En l'absence de chaos, l'ordre règne sur tout, empêchant le progrès et la liberté. Mais il reste un espoir, grâce à toi et à l'avenir que tu engendreras. Nous devons réparer nos erreurs. Utilise ce bateau. Répare la faille de l'univers. Le monde dépend de toi, Cassandra. Redeviens une héroïne. Alors, tu as vu, toi aussi? C'est magnifique, n'est-ce pas? Cassandra. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tué le dernier membre du culte. Enfin, presque. Quoi? C'est vrai, j'ai dirigé le culte, mais très peu de temps seulement. L'arrivée de ton frère a transformé tout ce que nous envisagions. Tu as fait alliance avec eux, ce culte maudit ! Les puissances en place au cœur du monde grec ne menaient à rien. Le culte voulait faire table rase. Par la corruption, l'argent sale ! Il a tué des gens au cours d'une guerre qu'il a déclenchée ! Attiser la guerre était l'une de ses méthodes, oui. Mais elle était contrôlée. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Dès lors, j'ai désapprouvé les actions du culte. Je croyais que Deimos était de votre côté. Pas comme nous l'espérions. Comme tu le sais, il est incontrôlable. Il s'est élevé jusqu'au sommet, et son pouvoir a largement dépassé le mien. Malaka! Alors tu nous as traqués? Pas vous, votre lignée. Les gens comme Léonidas, comme toi, ont toujours constitué une menace. Puis je t'ai rencontré, et tu m'as surprise. Tu ne ressemblais pas à Deimos.
Pourquoi tu ne t'es pas servi de moi? Tu m'avais à portée de main. Tu m'as rendu optimiste. J'ai pensé que tu pourrais m'aider à abattre le culte devenu corrompu. Et c'est ce que tu as fait, sans le savoir. Ça fait beaucoup de choses d'un coup. Mais je sais que tes intentions étaient bonnes. Je ne pense pas que tu aies menti. Non. J'ai cru pouvoir conserver le contrôle. Mais je me suis surestimée. La situation m'a échappé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... cette pyramide? Comment fonctionne-t-elle? Et pourquoi est-elle entre les mains du culte? J'ai essayé de comprendre, moi aussi. Mais ça reste un mystère, autant pour moi que pour toi. Cela fait des décennies que le culte vénère cette pyramide. Et nous l'avons utilisée pour remplacer l'oracle de Delphes, la personne la plus respectée du monde grec. Utiliser les croyances envers des dieux morts nous aiderait à remodeler l'humanité selon nos vœux. La pyramide permet de voir à travers les époques, mais seuls certains élus peuvent activer ce pouvoir. Comme Deimos et ceux de ta lignée. Mais toi aussi, tu as vu... J'ignore comment ou pourquoi, mais elle m'a montré quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Toi. Dans cette vision, tu détruisais la pyramide, et tu anéantissais le culte. Je l'ai vu. Après le culte? Nous serons remplacés par un autre type d'ordre. Nous vivrons sous le règne d'un roi philosophe. La société s'éloignera des anciens dieux pour privilégier la raison, au sein d'un royaume fait par le peuple et pour le peuple. Je dois trouver quelqu'un capable de le guider. Mais je n'ai pas pu y parvenir en raison du caractère chaotique du culte. Alors, j'ai laissé le culte de Cosmos réaliser ses projets, s'enfoncer dans l'impasse et y mourir. Attends, Périclès le savait? Je tenais à le protéger, alors je n'ai rien dit. Cela aurait risqué de l'influencer. Mais il n'aurait jamais dû mourir, voilà la vérité. Tu avais sa confiance, mais en fin de compte, tu ne l'as pas protégé. Il serait peut-être en vie si tu avais affaibli le culte. Mais par les dieux, si j'avais pu, je l'aurais fait. Quand Deimos l'a tué, j'ai su que la cause initiale avait disparu. Que je devais me retirer. Bon. Et maintenant? Maintenant, le changement. Une nouvelle république, unie et dirigée d'une seule voix. Je donnerai vie à ce rêve. Il reste pour l'instant un rêve, totalement irréaliste. Oublie ce que tu sais et imagine. Oublie la démocratie. Plus de rouge ni de bleu, mais un peuple uni pour le bien commun. C'est de la folie. Ça ne marchera pas, Aspasia. Ça n'a jamais pu. Non, ce n'est pas fou, c'est éclairé. Lorsqu'Athènes aura vent de tout cela, elle comprendra que c'est là son idéal. Tout comme le tien. Ça, j'en doute. Tu as passé ta vie à penser par toi-même. Laisse-toi aller. Pour ce que je prépare, tu vas devoir me faire confiance. Viens avec moi. Cet avenir n'est pas un rêve. Tu devrais partir. Diriger la Nouvelle République. Je ne vais pas la diriger. Il va nous falloir quelqu'un ayant le savoir d'un philosophe et la sagesse d'un roi. Difficile à trouver en ce moment. Je n'y serais jamais parvenue sans toi, Cassandra. Tu as fait le bon choix. J'essaie toujours de faire le bon choix. Alors nous cherchons la même chose. Cassandra, il reste beaucoup à faire. Cassandra! Un orage approche. Je ne crains pas les orages. Thank you.
Admire. Je suis toujours en vie. C'était la seule tâche que je t'avais confiée, Socrate. Je te savais capable de t'en acquitter. Je ne m'y serais jamais risqué si tu ne me l'avais pas ordonné. C'est moins facile qu'on ne croit de rester en vie. Beaucoup d'entre nous sont morts. Alors rendons leur hommage. Ils ne sont pas parmi nous, mais ils l'ont été. Viens avec moi. Mon opinion sur la mort est assez nébuleuse, parce que je ne sais rien d'elle. Par conséquent, je sais que je ne dois pas la craindre. Je n'en ai pas peur non plus. Beaucoup sont terrifiés parce qu'ils ne savent pas ce qu'elle leur réserve. En la matière, on ne peut se fier qu'aux dieux. Je l'ai traitée comme une enfant. Dans le but de la protéger. Tu n'étais pas seulement son amie, tu étais sa tutrice. Merci de lui avoir offert la sépulture qu'elle méritait. Il y en a beaucoup d'autres ici, dans l'Élysée. Les élus ont gagné ce bonheur éternel. L'un d'eux est notre grand Périclès. Athènes lui doit beaucoup, pour tout ce qu'il a fait. On ne l'appelait pas le premier citoyen d'Athènes, sans raison. Au-delà de ses nombreux bienfaits, c'était un homme secret. Il devait rester réservé. Il a toujours dû se méfier des événements et des gens. En se protégeant, il protégeait Athènes du mal. Aspasia est peut-être la seule à l'avoir vraiment connu. Cette guerre a tué tant de gens. Même Brasidas est mort. Peut-être, mais il était spartiate. Il a rempli son devoir et a péri sur le champ de bataille. J'aurais pu l'aider davantage. Il était de mon côté. En un sens, ta survie le venge. Il restera un héros. Les gens se rappelleront comment nous avons renversé Cléon. Il paraît que des soldats ont trouvé Cléon sur la plage. Il aurait péri durant la bataille? Je n'en sais rien. Il est difficile de tout se rappeler dans l'ardeur des combats. Quoi qu'il en soit, il passera l'éternité dans le Tartare pour ce qu'il a fait.
alors que nos amis nous attendent dans la lumière. Je boirai bien à ça. Qui suis-je pour refuser ? Eh bien, je n'aurai pas à chercher loin le sujet de ma prochaine pièce. Rappelle-toi comment Cassandra a tué le maquignon, devant tout Corinthe. Cela ferait un beau drame. Mais tu n'as pas encore de scène d'amour. Laisse-moi t'offrir un peu d'inspiration. La beauté ne dure pas, tu ferais bien d'en profiter, Alcibiade. Et à cela, je lève ma coupe. À nous, qui avons persévéré malgré les obstacles. Et à ceux qui ont péri à nos côtés. Un hommage aussi bien tourné que tes chants. Hé ! Oh Dieu ! Ah, maître, je crois que le moment est venu de m'enlever pour un cours particulier. Je crains de ne pas avoir bu assez de vin, Alcibiade. Alors, qu'on remplisse sa coupe ! Il faut parfois porter un masque d'assurance, malgré l'incertitude qui règne derrière ce masque. La compétence ne se limite pas seulement à la force. Ça, c'est ce que disent les faibles. On va voir qui est faible. Eh bien, au moins, la famille est réunie. Je vais rechercher du vin. C'était pas si mal, pas vrai ? Oh, je pense que j'ai de nouveau une famille. Les voies des dieux sont impénétrables. On ne sait jamais ce qu'ils nous réservent. Quelqu'un a l'œil sur moi. Tu n'es pas ordinaire. Regarde la vie qu'on t'a accordée. Je dois dire que j'en connais de plus mauvaises. Je te trouve bien optimiste. Rappelle-toi, quel que soit ton entourage, je serai toujours là. Et les autres nous attendent à bord. D'accord, je te suis.